pesticides, on n'a déjà pas pris. Ni le fait qu'il n'y a aucune politique de santé contre l'obésité, contre le diabète, lié à la maladie. Rien par rapport au changement climatique qui va poser des problèmes de santé autrement plus conséquents que ce que c'est qu'on vit aujourd'hui. Par rapport à ça, c'est des bouclages. Et on nous propose des maximes de rôles, comme si on était du bétail, à l'engrais, dans les eaux, c'est du bouclage. Et on nous propose des maximes de rôles, comme si on était du bétail. C'est pas industriel. Alors on doit dire non. Aujourd'hui, normalement, c'est les commerçants qui doivent être dans la rue. C'est pas nous. Normalement, c'est les restaurateurs qui doivent être dans la rue. Pas nous. Normalement, c'est tous ces gens qui doivent être. Tous ces commerçants, en fait. Ils doivent être contre le système. Donc, on va faire des efforts. Parce que c'est eux la base, en fait. Si eux rentrent en jeu, ben, c'est tout gagné. L'exécutif, c'est tout gagné. Bon, je vais arrêter parce que tout le monde peut parler derrière moi. C'est vrai que quand on a un micro, on pourrait faire des livres. Alors aujourd'hui, on est à Bordeaux. C'est pour faire du bruit, d'accord ? Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Allez, allez, allez ! Liberté 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 ! Mais souvent pas. Bonjour à tous. Voilà, depuis que je suis petite, on m'a appris qu'on avait des droits. Qu'on était libre, libre pour la religion, libre de faire nos choix, en fait, tout simplement. Et là, en fait, on revient sur nos droits. On revient sur nos droits, en fait. On revient sur nos droits à nous, nous, les êtres humains. On a oublié l'humanité, elle est où ? Les jeunes, vous êtes où ? Vous êtes où, en fait ? Vous êtes où, honnêtement ? À vous faire vacciner pour aller en boîte et dire après, je suis obligée ? Obligée de quoi, en fait ? Voilà. Vous voyez pas votre famille, vous voyez pas vos amis, vous êtes qu'à contact, vous êtes chez vous, à rien faire. C'est quoi ? La dépression ? Jusqu'au bout ? Métro, boulot, dodo ? C'est pour combien de temps en fait ? Combien de temps ? Liberté ! Et soyez proches les uns des autres. Aimez-vous, vous-même et les autres. Bonne journée ! Bonjour à tous et à toutes. J'entends ce mot qu'on scande depuis des semaines maintenant, c'est liberté. Cette liberté, comment vous comptez la prendre ? C'est pas avec les partis traditionnels qui existent aujourd'hui, ces politicards tous véreux qui bouffent dans la main de l'UE, que nous y arriverons. C'est à nous, peuple de France, à prendre notre pays en main. C'est à nous à se lever et dire, c'est nous qui gérons ce pays, parce que c'est nous qui les nourrissons. Alors, l'information que j'ai à vous donner... Aujourd'hui, ce parti, il existe. Il s'appelle la Concorde citoyenne 2022. Ils ont écrit le programme des programmes. Il est en ligne. Allez sur la Concorde citoyenne 2022. Faites-vous votre avis. Et vous allez voir que ce ne sont que des candidats lambda, comme vous et moi. Moi, ancien agriculteur, qui l'ont fait. Aucun énarque, aucun patron de CAC 40. Ce sont que le peuple qui a écrit un programme pour le peuple et par le peuple. Il n'y a que nous qui pourrons reprendre les affaires en main. Parce que si un autre parti politique passe en 2022... Ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivrons encore et encore. Alors réveillons-nous, passez-le-moi tout le monde. Allez voir la Concorde citoyenne 2022, s'il vous plaît. C'est pour notre avenir et ceux de nos enfants. Merci, bravo. Je confirme qu'il faudra sans doute travailler justement sur ces ateliers entre tous les programmes citoyens qui ont été élaborés, que ce soit la Concorde citoyenne, que ce soit la démocratie du nous, que ce soit l'appel démocratie, et que ce soit la démocratie réelle. Il y a plein de mouvements aujourd'hui qui veulent faire tout ça. Madame, vous parlerez tout à l'heure, si vous voulez bien, à partir de 16h. Merci aux enfants de parler de Enfance et Sourire 33. C'est pour ça que